Bienvenue, chers amis, dans notre émission des 10 jours de prière. Aujourd'hui, nous voulons continuer la réflexion autour du souverain sacrificateur en considérant pour cette deuxième présentation la sainteté à l'Éternel. Le texte à partir duquel nous voulons réfléchir aujourd'hui est tiré du livre du Lévitique au chapitre 20 et au verset 26. Lévitique chapitre 20 et au verset 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Lévitique 20, verset 26. Sur le turban du grand sacrificateur étaient inscrits les mots suivants. Sainteté à l'Éternel. Le Seigneur, chers amis, nous appelle, tout comme il appelait les prêtres dans les temps anciens, à vivre des vies saintes et séparées du monde. Nos vies témoignent de lui. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis, il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité. Je te revais d'habits de fête. » Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Zacharie chapitre 3, verset 3, verset 4. Mes chers amis, notez bien ici que l'Éternel ne nie pas l'accusation d'indignité de Josué. Mais cependant, il démontre qu'il l'a racheté à un prix. Il le revêt de ses vêtements de justice, mais il ne met pas ses vêtements par-dessus les vêtements souillés de la désobéissance et de la transgression. Il dit d'abord, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit ensuite à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. » Et je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête, sur lequel était inscrit « Sainteté à l'Éternel ». Le chrétien doit être un représentant des principes du ciel. Il est tenu par des obligations sacrées de présenter la vérité dans sa vertu et dans sa beauté. La douceur, la bonté et une totale sincérité doivent imprégner ses paroles et ses actions. Consacré à Dieu, mis à part pour son service, il honorera toujours sa foi religieuse. Aucun fil d'égoïsme ne doit être tissé dans le caractère. Nous devons, chers amis, nous éduquer à révéler l'Esprit de Dieu dans toute l'œuvre de notre vie. L'Esprit de Dieu n'égarera jamais les enfants de Dieu. Par la puissance que le Saint-Esprit communique, nous pouvons éliminer de nos vies tout ce qui est douteux. Je répète cette phrase parce qu'elle est importante, chers amis. Par la puissance que l'Esprit communique, nous devons éliminer de nos vies tout ce qui est douteux. Si nous voulons sortir des ténèbres dont le manque de foi enveloppe l'âme et nous placer là où le clair faisceau de la lumière de la parole de Dieu peut pleinement nous illuminer, nous serons guidés pas à pas sur le chemin qui mène à la sainteté. Depuis l'éternité, Dieu a choisi des hommes pour qu'ils soient saints. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. L'écho de sa voix vient jusqu'à nous, disant encore, « Soyez saints, toujours plus saints. » Et encore, notre réponse doit être, « Oui, Seigneur, toujours plus saint. »
Aucun homme ne reçoit la sainteté comme un droit d'aînesse ou comme un don de la part d'un autre être humain. En fait, chers amis, la sainteté est le don de Dieu par Christ. Ceux qui reçoivent le Sauveur deviennent fils de Dieu. Ils sont ses enfants spirituels, nés à nouveau, renouvelés dans la justice et la véritable sainteté. Leur esprit sont changés. Ils contemplent les réalités éternelles d'une vision plus claire. Ils sont adoptés dans la famille de Dieu. Ils deviennent conformes à son image, changés par son esprit de gloire en gloire. Ils passent de l'amour suprême de soi à l'amour suprême pour Dieu et pour le Christ. Notre Sauveur est un Sauveur pour le perfectionnement de l'homme tout entier. Il n'est pas le Dieu d'une partie de l'être seulement. La grâce de Christ travaille à la discipline de l'être humain dans son intégralité. Il a tout créé. Il a tout racheté. Il a créé l'esprit, la force, le corps, aussi bien que l'âme qui participe de la nature divine. Et tout lui appartient parce qu'il l'a racheté. Il doit être donc servi avec tout notre esprit et notre cœur, toute notre âme et notre force. Alors, le Seigneur sera glorifié par ses saints, même dans les choses communes et temporelles auxquelles ils ont part. Sainteté à l'Éternel sera l'inscription qui sera placée sur eux. S'il y a des personnes qui doivent saisir toutes les occasions d'acquérir la sagesse et le savoir-faire, ce sont celles qui consacrent leur talent à l'édification du royaume de Dieu sur la terre. Sachant que nous vivons si près de la fin de l'histoire de cette terre, il faudrait une plus grande rigueur dans l'œuvre. Il faudrait attendre, veiller, prier et travailler avec la plus grande vigilance. Tout le service religieux et chaque secteur d'activité doivent porter la signature du ciel. Sainteté à l'Éternel doit être la devise des ouvriers dans chaque département. L'agent humain doit s'efforcer d'atteindre la perfection afin d'être un chrétien idéal et complet en Jésus-Christ. Chers amis, en terminant, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions entrer dans cette démarche de sainteté. Puisque celui qui nous a appelés est saint, vous aussi, nous aussi, soyons saints dans toute notre conduite, selon qu'elle est écrite dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15 et verset 16, vous serez saints car moi aussi, je suis saint. Voulez-vous prier avec nous aujourd'hui? Père Céleste, nous découvrons dans ta parole que tu avais écrit sur le souverain sacrificateur cette inscription « Sainteté à l'Éternel ». Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes loin de cette sainteté. Mais nous t'invitons à venir toi-même nous purifier et de nous couvrir par ta robe de sainteté après nous avoir débarrassés de ce vêtement souillé. Pardon pour nos erreurs. Pardon pour nos fautes. Et remplis-nous, couvre-nous, Seigneur, nous t'en prions, par ta sainteté. Bénis chaque auditeur, chaque ami qui participe avec nous à ces 10 jours de prière. Et donne à chacun, là où il est, chez lui, à la maison, au travail ou ailleurs, de vivre avec toi, pendant ces 10 jours, une expérience nouvelle de renouvellement spirituel avec toi. Merci de ce que tu fasses en sorte que ton Église soit elle aussi purifiée par l'action de ton Saint-Esprit. Que ton amour nous accompagne, que ta grâce soit avec chacun d'entre nous. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous avons eu du plaisir à partager avec vous ce moment.
Nous invitons, chers amis, à continuer la démarche de prière et nous vous disons à très bientôt.